Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'électricité, ça ne vous donne pas le droit de troubler l'ordre public. L'ordre public, c'est un délit. Lorsque vous troublez l'ordre public, c'est un délit. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas le droit, aucun droit, parce que vous n'avez pas de l'électricité, de bloquer la route et d'empêcher les citoyens de circuler. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça, c'est une question de civisme et c'est une question de respect de la loi. Lorsque vous êtes un bon citoyen, ce n'est pas parce que votre employeur ne vous a pas payé que vous allez bloquer le portail et empêcher l'accès. Mais chez nous, on a l'impression que... Donc c'est important qu'on s'entende sur ces choses-là. Votre employeur ne vous a pas payé. Si vous empêchez les travailleurs d'avoir accès au lieu de travail, il a le droit de vous dester en justice et de vous poursuivre. Et là, ce n'est plus lui, c'est le procureur de la République, parce que c'est un trouble à l'ordre public. C'est la même chose par rapport à l'électricité. Donc, mais ça demande du civisme, ça demande de l'éducation, et c'est là où nous comptons aussi sur vous, pour dire aux gens, écoutez, lorsqu'il y a une difficulté, vous avez le département de communication, vous avez le représentant de EDG au niveau de la région, au niveau de la préfecture, et au niveau de la zone, qui peut vous donner les informations. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'appeler le directeur général. Si c'est quelque chose qui se passe à Cancan, vous avez la possibilité d'obtenir à travers le chef de département le numéro de téléphone du chef d'agence, du délégué régional de Cancan. C'est juste un exemple que je donne. C'est la même chose pour Zénécoré, la même chose pour l'Abbé, pour Mambé, n'importe quelle localité de la Guinée et de Conakry. Donc pour moi, il n'y a pas de tabou par rapport à l'accès à l'information. Il faut juste prendre le temps de recouper l'information et de parler avec les bonnes personnes. Nous avons des représentants partout et ceux-là ont la possibilité de vous donner les bonnes informations. Et vous avez la possibilité de les vérifier naturellement par la hiérarchie. Et nous sommes entièrement à votre disposition pour compléter les informations.